passé la marche arrière et il a descendu les marches. Marche ? Oui, il a failli s'en tirer. Hey, je connais l'histoire. Le pauvre a crevé son réservoir et il n'a pu faire que 200 mètres dans Holken Road. Là, pas de l'essence. Il sort l'année prochaine. Pour des types de ce genre, on peut s'en passer. Et Stan Newton est un bon chauffeur. Presley ? Mais je le trouve peut-être trop bruyant. Bruyant. Bang, bang, bang. C'est quand vous voudrez, Debbie. Debbie, j'ai dit c'est quand vous voudrez. J'ai entendu. D'accord, allons-y. Quand tu étais à la Légion étrangère, Jack. Au 2e régiment étranger de parachutistes, je te prie. Ouais, je suppose que tu as du temps payé. Qui est-ce, Presley? Il s'appelle Clyde. Journaliste au London Evening Mail. Salut, Jack. La fille, qui c'est? Debbie Smith. Elle écrit un bouquin sur les casses célèbres. Salut à tous. Les casses. Vous avez des amis flics? Monsieur Clyde est un spécialiste des affaires criminelles. Ses relations lui sont très utiles. Pour l'instant, il n'y a rien à signaler, je regrette. C'est après Jacques qu'on en a. Je le tiens, vas-y. Interpeller quelqu'un de chez vous. Une fille qui se prétend journaliste, ou plutôt écrivain. Accompagnée par Tom Clyde, le journaliste de l'Evening Mail. Elle sait que vous l'avez repéré? Non. Qui est mort? Un certain William James Dundas. Non. Evil Bill, l'emballage. Pas de regret à avoir. Et Harry de Soto. Du gros gibier, ça n'est pas dans vos cordes. Plus 5 autres arrestations. Un des agresseurs et 4 des fausses victimes. Qui a tué Dundas? De Soto. Et qui a tué De Soto? La fille. Je lui avais dit de ne pas emporter d'armes. Ça serait servi d'une des leurs. J'en ai plein le dos de cette violence. Qu'est-ce qui s'est passé? J'espérais que vous alliez me le dire, Speakings. Bon, voilà où nous en sommes. Clyde, de l'Evening Mail, a entendu dire qu'un certain Morocco Jack était soudainement apparu. Il en a parlé au sergent Winfield et il l'a fait passer dans le milieu pour un écrivain. C'est très coopératif. Oui, je crois que c'était surtout pour se protéger. Ce qui n'exclut pas la prudence. Mais tout ça ne m'avance pas pour autant, c'est ce qui m'embête. Ça, je vous l'avoue franchement. Vous allez prendre la suite? Non. L'affaire est de votre ressort. Je vais vous demander... De vous donner accès
toutes mes notes des personnes arrêtées. Exact. J'ai été prévenu par nos supérieurs de... De quoi ? De regarder où je mets les pieds. Et si vous étiez à ma place ? J'y veillerai. Ton nom ? Tu t'appelles comment, beau gosse ? Qu'est-ce qui te fait rire ? Il y a longtemps que vous êtes flic. Ah non, je débute, ça se voit tout de suite. Bon, comme tu voudras. Alors tu t'appelles Egg, Edward, George, alias Miller, alias Maxwell. Trois condamnations pour vol, attaque à main armée et possession de l'arme prohibée. Tu as été vu par trois témoins, fusil à la main. Tu as ouvert le feu sur plusieurs passagers sur le bateau de plaisance Golden Salamander. Tu as tué William James Dundas. Tu vas être inculpé de meurtre. Alors, tu veux lire la feuille ? Vous pouvez vous torcher avec. Oh, c'est pas gentil, ça. C'est pas gentil du tout. Si c'est ce qu'on vous apprend en prison, on ne va jamais vous y mettre. Vous, mais... sortez. Alors, désolé, parce que j'ai des ordres. Tirez-vous ! Bon, alors. Ouais. On sait parfaitement que vous voulez tous dégommer Jack. C'est sur le rapport, je cite, « C'est après Jack qu'on en a. » Fin de citation. Alors maintenant, on va parler un peu. Ça ne pourra qu'arranger tes oignons. Tu vas répondre à une seule question. Laquelle ? Qui est Morocco Jack ? Ken William John, alias Morocco Jack, a fait un séjour à la prison des Baumettes à Marseille. Et un autre de 2 ans à la maison d'arrêt de Lyon. Lyon. À Lyon. Lyon, Marseille, une prison est toujours une prison. Ouais, celle de Marseille est très connue. Donc il a tiré 8 ans en France. Et le client a fait aussi un séjour à la Légion étrangère, avant de faire partie de la bande d'un certain Spaghiari. Spaghiari. Il était connu ? Eh ben oui, Spaghiari. Comment ? L'auteur du casse du siècle en France, en passant par les égouts. Il semble que Jack était dans ce coup-là et il s'est fait cueillir. Si on veut le descendre ici, ça veut dire qu'il est indésirable. Un concurrent dangereux. Oui, c'est probable. Ça veut dire aller vous faire voir ailleurs. Eh bien, moi, je vous répète que je sais ce que j'ai à faire et que je suis le patron dans mon service. Bah, qu'est-ce qui se passe ? Et que je prendrai mes responsabilités. C'est le grand patron. D'accord. Qui tire les oreilles. Faites ce qui vous plaira. Moi, ça lui fait du bien de temps en temps. Au revoir. Où est passée Harriet ? Vous aviez l'air inquiète au téléphone. Vous devez savoir que je n'aime pas être obligée de tuer un homme. Et vous devez savoir de votre côté que c'est un des risques de votre métier. Je préfère que ce soit deux sauts plutôt que vous. Merci. Et qu'est-ce qu'en pense votre patron ? Vous allez sûrement... une pinte de bière brune. Vous allez sûrement avoir la vedette. Je ne sais pas. Il ne vous a pas proposé pour une médaille ? J'ignore, je ne l'ai pas encore eu. Vous plaisantez ? Tom, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Eh bien, le bruit court que la légende de Jack Cade s'est répandue en ville et qu'il recrute à tour de bras chez les Cade du milieu. Et le bruit court aussi qu'il tenterait bientôt un très gros coup pour affermir sa réputation. En avez-vous parlé ? Bien sûr. La criminelle l'a relâché. Il m'a donné une interview pour la dernière. Ah. Il voudrait vous voir. Pourquoi ? Vous lui avez sauvé la vie, non ? Ma couverture tient encore ? Bien sûr, puisque je suis garant de vous. À titre gratuit, je suppose. Oh, vous pouvez avoir l'occasion de me renvoyer l'ascenseur. En vous donnant une interview ? Je ne peux rien promettre. Tom, vous êtes trop connu. Eh bien, on pourrait peut-être convenir d'un lieu. D'un endroit, discret et sûr. Par exemple ?
Eh bien, pourquoi pas chez moi? Chez vous, un endroit sûr. Monsieur le divisionnaire, vous dirigez une brigade de tueurs et de machos. Et nous sommes là d'être contraints de vous excuser auprès de vos collègues. Tueurs et machos, hein? J'ai failli perdre Harriet aujourd'hui. La voie publique a failli perdre aussi un de ses membres, non? Et tenez, voilà le champion. Maudit Yankee. Alors, les contredanses, ça marche? Oh, il n'aura jamais vu. Grossier personnage. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, mais rien de plus que d'habitude. Où est votre partenaire? Pourquoi me le demandez-vous? Vous l'avez envoyé en opération sans même m'en parler. J'aurais pu la couvrir, votre Debbie Smith. C'était une mission sans consigne précise, rien de plus. Un de ses anciens camarades de collège devait la mettre en rapport avec un nouveau venu qui tente de s'introduire dans le milieu du banditisme local. L'ami en question est un reporter. Pourquoi ne m'en aviez-vous pas parlé? Parce que personne ne s'attendait à la fusillade. Personne? D'accord, je veux dire moi, je l'avoue. Ni Harriet? Ni Harriet. Et maintenant, où est-elle? La brigade criminelle assure sa couverture. Ils l'ont arrêtée et relâchée. Je n'en sais pas plus. J'écoute. Sergent Winfield. Où êtes-vous, bon Dieu? Alors, comment ça va? Pas terrible. Je crois que j'ai attrapé un bon rhume. Bon, bah alors on s'embrasse pas. Vous avez refilé à deux sautos plus qu'un rhume, à ce qu'on dit. De Soto s'apprêtait à tuer Cade. Mais je sais. Il avait une arme pointée en direction de sa tête. Mais je vous ai pas demandé d'explication. Alors, qu'est-ce que vous venez faire? J'ai eu un entretien avec un des membres de l'expédition punitive, un nommé Egg. Egg? C'est le lieutenant Charlie Peterson. Et alors? Il ne dira pas un mot. J'ai persuadé de parler. Il semble que son patron veuille que Morocco Jack soit neutralisé. Et comme nous aussi, bah, je lui ai expliqué que nos intérêts étaient communs. Il vous arrive d'avoir des idées? C'est un compliment? Pas vraiment. On pense que Morocco Jack essaie de se faire une place dans les milieux du crime à Londres. C'est vrai, ça se confirme. Il faudrait pouvoir trouver un moyen de s'infiltrer. Il cherche un bon chauffeur. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que je l'ai entendu, avant que le bruit ne couvre la voie. Un chauffeur? On pourrait demander à Interpol de diffuser un avis concernant un Américain, recherché pour trafic de drogue. Un Américain se cachant à Londres? Et ce sera vous. Le bruit se répandra. Ah ben, vous arrive quelquefois d'avoir aussi des idées. Et c'est un compliment? Pas vraiment. Et Madame Shelley l'a essayé la dernière fois. Notre nouveau style. À mi-chemin entre les styles Boy George et Tattoo Monive. Vous voulez savoir si ça lui allait? Eh bien, pour être vraiment honnête, s'il convient parfaitement à notre Lady Di, il faut aussi reconnaître que vraiment, la pauvre Francette, on se croit pas du tout à son âge. Madame Cade. Hélène Cade, oui. Bonjour, je voudrais voir Monsieur Cade. De la part de qui? Debbie Smith. Un moment, voulez-vous? À propos d'hier, il dit que vous maniez la mitraillette comme un as. Si le coup est parti, c'est par accident. C'est ce que j'ai dit à la police. De toute façon, vous lui avez sauvé la mise. Il est au judo. Dites, j'ai besoin de quelque chose de nerveux et qui ne craigne pas les accros. Ah, oh, quel genre d'accros? Qui êtes-vous? Des accros, dans la carrosserie. Lieutenant Dempsey, stagiaire de la police de New York. Ah, et pour quel service vous voulez qu'on vous alloue un véhicule? Le SI-10. Même pour le SI-10, il faut une autorisation, lieutenant.
C'est sûrement la même chose à New York. Bon, écoutez, le chef superintendant Speaking se régularisera. Alors, qu'est-ce que vous avez comme bagnole? C'est pour faire quoi? Surveillance? Poursuite? Embuscade? Protection? Ou encore emmener une pépé faire un petit tour à Brighton? Tiens, bah celle-là, là. Elle a servi à la brigade des stupes. Elle est en réparation pour la carrosserie, mais elle roule. Eh ben, je la prends. Et attention, c'est pas une Dani, ça. Dani? C'est quoi? Un mot qui veut dire véhicule de service banalisé, mais celui-ci, c'est pas un véhicule de police du tout. Eh ben, c'est ce qu'il me faut. Y a pas besoin d'autorisation dans ce cas-là. Là, tu ne dois la tenter que si tu n'as pas d'autres moyens, compris? Continuez. Mais oui, c'est notre chevalière à la blonde armure. Vous auriez dû utiliser vos talents hier. Un 44 Magnum est 10 fois plus efficace. Où est Jack? À côté. Non, on a besoin d'un chauffeur qui a un peu d'intelligence. Pas comme cet autre abruti qui s'est fait coincer en s'enfuyant dans la porte à tambour du Claridge. Jack, c'est la souris qui était sur le bateau hier. Mademoiselle Debbie Smith, quelle bonne surprise. Bonjour, monsieur Cade. Tom m'a recommandé à vous. Mais il est inutile que l'on vous recommande à moi. Ne vous dois-je pas d'être en vie? À vrai dire, l'arme est partie toute seule. Un coup de chance. J'ai une idée. Je vous invite à déjeuner à l'Ange Rouge. D'accord? Jack, tu sais que t'es dans leur collimateur. Et après? Quand ils verront des bismis auprès de moi, ils ne s'y risqueront pas. Vous avez votre arme. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez de vos fenêtres? Hein? Une cité livrée à des bandes de truands. Dont l'un, au moins, est un voleur de voiture. Je ne vous suis pas du tout. Je dis que l'un d'eux est un voleur d'auto. Il y en a sûrement plus d'un. Oui, bien sûr, mais je veux dire une auto pas comme les autres. Est-ce qu'on vous aurait volé la vôtre? C'est une Camaro rouge, propriété d'un certain Luigi Ferraro. C'est un vrai. Il fait dans la drogue. Les stupes lui ont désossé sa voiture et remise en état. Comme dans French Connection. Est-ce que vous allez au cinéma, monsieur? Votre lieutenant Dempsey est enfin avec. Ah. Nous en avons discuté avec le grand patron. Et nous avons conclu, sur la base de notre entretien d'hier, que... Je ne me défraie pas de Dempsey. Nous avons conclu que cela pourrait vous fournir une occasion inespérée de vous débarrasser de cet encombrant personnage en le renvoyant d'où il vient. C'est un très bon détective. Tout comme vous et moi avant que je ne reprenne le commandement du service. Speakings, le SI-10 s'est fait des ennemis. Vous savez que c'est le sort de tout nouveau département, mais le jour vaut la chandelle. Mais votre brigade se moque ouvertement des règlements, des procédures et autres conventions qui sont l'épine dorsale de notre maison depuis 50 ans. Il faut peut-être les moderniser. Des plaintes sur votre DMC affluent de partout. Et aussi sur le sergent Winfield. Je n'ai pas l'intention de les séparer. Ils font une équipe irremplaçable. Je suis désolé. Ils vous font courir de très gros risques. Si mon service doit être sacrifié, nous nous saborderons tous ensemble. Et si on jouait franc jeu pour changer? Que voulez-vous dire? Où vous êtes-vous fait la main? Fait la main? Oui. Pour être si habile au maniement des armes. Je n'aime pas parler de... Eh bien, forcez-vous un peu. Les garçons ont tendance à être méfiants. Et à croire que vous pourriez être un flic. Vous connaissez Rio? Rio de Janeiro, oui, bien sûr. Eh bien, à 16 ans, mon père m'a mise en pension. Dans un couvent. Un couvent? Il vous en reste quelque chose et... C'est pourquoi j'ai confiance en vous. Je me suis enfuie avec un soldat. Oh, vous plaisantez. Pour Rio.
Il m'a laissé tomber enceinte. Et j'ai trouvé une place de serveuse dans un café du port. Inutile, je crois, de vous faire un dessin. Et là, vous avez appris à vous débrouiller seule. Et puis, j'ai trouvé sur ma route celui qui m'a sauvée. Devinez qui ? Marco O'Hara. Le trafiquant d'armes. Il m'a appris à tirer. Et je n'avais pas 20 ans que je pouvais tuer au vol un coq de bruyère à 50 mètres. Vous ne pouvez pas être un flic. Pourquoi ? Parce qu'un flic, même complètement idiot, ne mentirait pas aussi mal que vous. Allez-y, la voie est libre. Moreau Kojak projette de se faire une place au soleil, mais il ne dit pas comment. Bah, voyons. Mais il cherche toujours un chauffeur. On a mis Interpol dans le coup. Pour répandre le bruit qu'un spécialiste américain est à Londres. Un type capable, un artiste, un as du volant. À vous de faire circuler la nouvelle dans le milieu. Oui, seulement le temps presse, lieutenant. Et si Jack trouvait quelqu'un d'autre ? Alors à moi de me débrouiller pour lui donner l'inspiration. Que voulez-vous dire ? À lui forcer la main, en quelque sorte, mais d'une façon discrète. Discrète ? Bah, vous me connaissez. Ce sont les arcades de Dorchester. Et là, il y a deux bijouteries, ici et ici. Chacune ayant un stock de pierres de très grande valeur, des centaines de milliers de livres. Les effets expertisés, je suppose. Oui, en effet, Mickey, c'est fait. Mais comment est-ce qu'on va braquer les deux en gardant une chance de prendre la fuite ? Ce qui manque pour l'instant, mon garçon. Et comme je le disais encore hier avant la séance de rodéo, c'est un bon chauffeur. Mieux même qu'un bon chauffeur, un artiste. C'est un artiste. Sous les chocs infligés à la voiture de Ferraro, les paquets sont tombés de leur cachette. Coup de chance.
Savez-vous si ceux qui l'ont pris en chasse sont au courant? Non, il faut que ça fasse vrai, chef. Alors j'espère qu'il va leur échapper. On t'a vu, ça est ambitieux. Il va s'en tirer. Avis à toutes les voitures de patrouille. L'homme est probablement armé et très dangereux. Prenez toutes les précautions. Je vous répète, inspecteur, que vous n'avez pas le droit. Et moi, l'ami, je vous répète qu'on n'est pas de la police. On prépare un projet. Un projet? Un casse. Et pourquoi vous me dites ça? Parce qu'il paraît qu'un Yankee est arrivé à Londres. Un type habile. Un vrai champion du volant. C'est vous qui étiez le chauffeur de Luigi Ferraro. Trafiquant de drogue. Ferraro, je t'entoure. Et vous, qui êtes-vous? Et vous? Moi, je suis Morocco Jack. Le bruit court que votre équipe est indésirable à Londres. Le bruit court également que vous êtes sur la liste d'attente à la rubrique mortuaire. J'aurais préféré tomber sur des flics. Il vous a demandé votre nom. Rally. Oustermer. Serafino. Schulz. Boboff, Garcia, ou Decker, Kendall, Mikkelsen, les prénoms? Tom, Vincent, Romuald, faites votre choix. Entendu. Ferons notre choix. Ce casse, c'est quoi? 2 millions en bijoux. Et où est-ce qu'ils sont? Chez deux joailliers sous les arcades de Dorchester. Et on n'a que 2 minutes 40 secondes pour faire le coup. C'est où ces arcades? En plein centre. Je veux le tiers. 10%. Ah, vous rigolez? En affaire, on rigole jamais. M'appelle Danny. Et non content d'avoir volé un véhicule placé sous notre garde, ce Yankee l'endommage, au risque d'entraîner la mort de 6 officiers de police et de nombreux citoyens sur la voie publique. Sauf votre respect, monsieur, Dempsey opérait selon mes instructions. Qui était de faire du sud de Londres une piste pour stock-car. Toutes les voitures engagées étaient prévenues, monsieur. Et sur les ordres de qui, monsieur le chef superintendant, sur les ordres de qui, pouvez-vous me le préciser? Les miens, monsieur. Vous voyez? Vous voyez, c'est exactement le genre de plainte que je reçois contre vous. Et dans quel but avoir donné ces ordres? Deux de mes collaborateurs se sont infiltrés dans une nouvelle bande de truands qui projette une action très spectaculaire. Un simple projet? Pas seulement. Parce que grâce à Dempsey, la brigade des stupéfiants a trouvé 4 kilos de cocaïne qu'elle cherchait vainement depuis des semaines. Et qui représente une valeur... Merci, Speakings. J'ai bien peur qu'il en faille plus que cela pour éviter que votre tête ne soit posée sur le billot.
C'est la première. C'est moi et Presley qui faisons le coup. Il y a un système d'alarme et deux vendeurs jeunes et musclés. Il faudra aller vite. Au besoin, on pourra improviser. Et où est le deuxième? Au fond de la galerie, Howard Isaac. 800 000 livres qui vous narguent en vitrine. C'est blindé en tôle de 3 mm. Et c'est une porte automatique. C'est là que vous intervenez. Vous foncez dedans avec la voiture. Et Mika se charge du reste. Alors, ça vous va? C'est vous le chauffeur. D'accord. Excusez-moi un instant. Vous voulez tenir ça, s'il vous plaît? Appuyez ça contre le pilier. Parfait. Ah ben, ça laisse une petite marge pour une Jaguar XJ6. Et alors? C'est pas large. Question d'adresse. J'ai presque envie de vous laisser la mienne, l'adresse. Ah! Hélène, tu connais Mickey? Et cet élégant américain s'appelle Danny ou Tom ou George. À toi de choisir, n'est-ce pas, cher ami? Ravi, monsieur. Enchanté, non, le vrai, c'est Danny. Et voici mademoiselle Debbie Smith. Danny Salafoutreau. Elle nous a sauvé la vie l'autre jour. Oh, sauvé la vôtre, Jack. Un coup de chance. Salut, Mick. Salut. Et vous êtes américain? Exact, de New York. On dit que quand on y survit, on est sûr de pouvoir survivre n'importe où. Vous vous regardez comme si vous étiez des amis d'enfance. Ça s'appelle le coup de foudre, souviens-toi, Jack. Il faut souvent se méfier de la première impression, ce type est dangereux. Debbie, c'est un chauffard. Et vous savez ce que ça veut dire? Non, Mickey, expliquez-moi. Ça veut dire qu'un chauffard traite les femmes comme il traite les voitures. Est-ce vrai, monsieur Salafoutreau? Salafoutreau? Non, je crois pas. Je n'ai pas massacré suffisamment de voitures pour établir la comparaison. Gaston, qu'est-ce qu'il y a ce soir? J'ai du boudin noir en compote suivi par un cocon vin. Parfait, parfait. Merci. Vous en prie. Vous aimez la cuisine française? Pas seulement la cuisine. Vous êtes armé? Oui, donnez-moi votre arme. Donne-lui la trousse, Mickey. Pas question. Fais ce que je te dis. Tu veux? Va tout de même, Jack. Je le connais à peine. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je vais aller voir. Femme. Hélène, elle va bien. Je peux utiliser le téléphone? Bander à Debbie? Je peux. Bien sûr, il est là. Merci. Vous avez été épatante. Au restaurant, hier soir. C'est bizarre, pas un seul instant, j'ai eu peur. Vous savez ce que c'est? Il arrive parfois comme ça qu'on trouve le coup et qu'à d'autres moments... Les autres nous attendent à la salle de judo. C'est pour aujourd'hui. Vous aviez dit vendredi.
J'ai besoin d'argent. Si cette bande de crétins veulent la guerre, j'aurai besoin de me renforcer. Jack, pourquoi ne pas rentrer en France avec Hélène et ouvrir un restaurant ou une boîte? Je ne suis pas fait pour les affaires. Je suis un gangster. Vous en êtes sûr? C'est les femmes. Chauffeur, emmenez la dame là où elle vous dira. Votre service. Vous emmenez-nous, mademoiselle. J'ai eu très peur un moment d'avoir affaire à un vrai taxi. Où est-ce que vous en êtes? Ils vont s'attaquer aux arcades de Dorchester, tantôt à 4 heures précises. Dempsey veut qu'on se réunisse dans 3 quarts d'heure. Vous avez joué quel rôle dans la fusillade d'hier? Je vous laisse deviner. Nous avons reçu une plainte. Une seulement? On va attaquer les arcades comme prévu. Danny se charge de voler une voiture. Vous voulez un coup de main? Non, je travaille toujours seul. J'ai planqué nos armes dans une péniche amarrée au quai Jackson. Il y a un garage à côté. Oui? Pas de problème. Bon, alors allez-y. On se retrouve tous sur le quai Jackson. Danny? Oh, vers 1h30, 2h. J'aimerais qu'on ne le quitte pas de l'œil. Ce n'est pas la peine. J'ai toujours été bon juge en homme. Danny est réglé. Tu n'as pas de pas avoir prévenu. Résumons-nous. Cade, dit Morocco Jack, va faire défoncer la vitrine d'un bijoutier des arcades de Dorchester pendant que des complices en braqueront une seconde. Il prendra la fuite à travers Londres dans une voiture blindée avec 2 millions de livres de bijoux et de pierres précieuses. Oui, c'est ça, dans les grandes lignes. Ça va être l'affaire de l'année. Disons celle du mois, chef, il ne faut pas trop exagérer. Ah, ça va être sensationnel. Sensationnel. Qu'est-ce qu'il lui prend tout à coup? Il risque d'y avoir de nombreuses victimes. Non, non. On va mettre tout le monde sur le coup et sortir les grands moyens. Des hommes armés dans toutes les boutiques, bloquer tout le quartier avec des voitures et au besoin utiliser des lances d'incendie pour les maîtriser. Non, non. Non, ça pourrait endommager les boutiques. Des gaz. Des gaz. Oui, des gaz. Vous vous sentez bien, chef? Sergent Winfield, dites-vous bien que ce qui va se passer ne peut que me réjouir le cœur. Le ciel soit loué. Il y a vraiment un dieu et il est pour nous. Quel coup fumant. Le chef. Le nommé Cade, Morocco Jack, il n'est pas... il n'est pas bien dangereux. Bon, bien sûr, il a fait quelques années de prison en France, mais il n'est plus vraiment dans le coup. Et qu'est-ce que vous suggérez, lieutenant? Ce que Dempsey suggère, monsieur, c'est de passer directement à l'action sur le quai Jackson. Avec leurs armes et leur matériel, on peut les arrêter en flagrant délit. Oui, elle a raison, chef. Enfin, je veux dire, pourquoi vouloir faire tout ce spectacle? Parce que, mon garçon, une personne que je ne veux pas nommer cherche à liquider le service et il nous fallait une affaire comme celle-là pour la remettre à sa place. Nous fallait? D'accord, sergent, me fallait. Et je fais appel à votre loyauté. Mais vous n'êtes pas forcé de me croire. Chef, et la bagnole? Faites votre choix. Ah, bah si j'ai le choix, je vais en voler une. Ah, dis donc, Mickey, ça c'est du beau travail. Du grand art. Y a qu'à donner un coup de peinture et ce sera tout bon. On a
4 heures devant nous et on est dans les temps. Avec ça, on peut y aller, rien résistera. Ouais, un vrai charbon. C'est du sérieux, pas de la cacaillerie. Fais voir que j'essaie. Ouais, vas-y. Alors, Denis, on est pareil? Un petit instant. Un conseil, Jack Cade, ne fait pas un geste. Et toi, t'es avec nous ou avec lui? 10% pour moi à la clé, alors désolé, Jack. Allons-y, Jack. En route. Bande de salopards. T'es prévenu, Jack. Quand on est resté à l'ombre, on n'a plus sa place au soleil. Puis on a pensé qu'à force d'avoir subi le régime sec, tu l'apprécierais un peu arrosé. Et à 3h07, tu vas faire des bulles. Quelle précision. Ah, c'est marrant. J'ai vu ça une fois au cinéma. La marée montait, les crabes suivaient et lui bouffaient les orteils. Hey. Donnez ma part à Hélène. Complètement dépassé, ce mec. C'est vraiment indispensable. Sécurité d'abord. Quand on sera aux arcades, tu feras ton boulot. Oui. Et après, si tu as été sage, on verra. C'est pas l'heure. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Un poker? Il y a du changement dans l'horaire. On y va maintenant. J'ai une quarantaine d'agents dans 5 cars à 200 mètres du carrefour. J'en mettrai 3 ici. Compris. 2 à chaque sortie avec des fusils. Noté. J'en veux 5 dans chaque boutique visée avec des pistolets et un fusil à pompe par équipe. Bon, avec tout ça, leur compte est bon. Oui, et quand la Jaguar rentrera sous les arcades, on les laisse attaquer leur premier objectif et on bloquera les 2 entrées avec des camions. Mot de code. Oh mon Dieu. Vous dites? Fonce, Yankee. Vas-y, fonce. C'est débile. Sale petite peste. Fonce, bon Dieu. Requiescat, paix à son âme.
Merci. Tournez la tête de l'autre côté. Je vais essayer de faire sauter le cadenas. Mes deux fidèles amis, j'étais sûr que vous arriveriez à temps. Alors, pas vraiment. Des flics. Trop droit pour de vrais truands. Vous aussi, Jack. Tiens, Morocco Jack, permettez-moi de vous inviter aux frais de la princesse. Je n'en demande pas tant. De quelle princesse? Ça veut dire qu'il en a pour des années. Je vous enverrai un bon avocat. Vous êtes une fille épatante, Debbie. Mon vrai nom, c'est Harriet. Je vous souhaite quand même bonne chance à tous les deux. Et maintenant, Debbie Smith? Quoi? Danny Sapalutro? Sapalutro. J'ai froid et je suis mouillé. Ça se voit à l'œil nu. J'aimerais pouvoir me réchauffer. Je n'en doute pas une seconde. Si vous avez encore cet appartement, on pourrait finir ce qu'on avait commencé. Mais nous n'avons rien commencé, que je sache. Tiens, je croyais